Salut à toi, bienvenue dans ce format court, spéciale démonstration de la propriété de Koenig-Huygens, qui est limite au programme de première spécialité maths, mais qui est vraiment intéressante, puisqu'elle nous permet de revoir plein de points importants. Donc la première chose, c'est de constater que dans la définition, l'espérance, on la retrouve de nombreuses fois, autant qu'il y a de termes, alors que dans la propriété, elle n'apparaît qu'une fois, ce qui rend la propriété vraiment intéressante et pertinente à utiliser de manière pratique. Et la première chose à observer, c'est le terme qui revient à chaque fois dans cette définition. C'est xi moins espérance de x, le tout au carré. Et bien ça, évidemment, c'est une identité remarquable. A moins b, le tout au carré, a carré moins 2ab plus b carré. Et on voit que ce terme, il est multiplié par des pi à chaque fois, p1, p2, etc. Donc revenons à la définition. V de x, c'est p1 multiplié par x1 moins espérance de x, le tout au carré. Vous voyez le terme ici, plus, etc. Je mets juste le dernier. Pn, facteur de xn moins espérance de x, le tout au carré. Et donc, ça donne, grâce à ce qu'on a écrit en jaune, p1 multiplié par x1 au carré, moins 2x1 espérance de x, plus espérance de x au carré. Et on va réécrire ça à chaque fois. Alors évidemment, je l'écris pour le premier terme et pour le dernier. On a la trame. Pn multiplié par xn au carré moins 2xn espérance de x plus espérance de x au carré. Donc après ce premier point identité remarquable, qui était vraiment notable, la deuxième idée à avoir, c'est de développer tout simplement les pi sur les trois termes de chaque morceau. On va développer et on va rassembler les morceaux. Donc première flèche, ça fait P1 fois X1 au carré. Et on va rassembler ça avec les autres. C'est-à-dire plus P2 fois X2 au carré, plus etc. Pn fois Xn au carré. Et ensuite, P1, on le développe sur moins 2 X1 exponentielle X. Ce qui fait moins 2 P1 X1 exponentielle X. Pareil pour la suite. Moins 2 P2 X2 exponentielle X, moins 2 Pn Xn exponentielle X. Donc, déjà deux gros morceaux, et le dernier morceau, P1 fois exponentielle x au carré, plus P2 fois exponentielle x au carré, plus Pn fois exponentielle x au carré. C'est les troisièmes flèches, en fait, qu'on rassemble ici. Donc j'ai rassemblé les premières flèches, les deuxièmes flèches et les troisièmes flèches. On va écrire le premier bloc tel quel, en revanche, sur les deux autres, la dernière idée, c'est de factoriser. On voit qu'on a de l'exponentielle qui ressort à chaque fois, le 2 aussi d'ailleurs. Puis dans le troisième terme, on a l'espérance de x au carré qui ressort. D'où p1x1 carré plus etc. plus pnxn carré. C'est mon premier bloc. Moins 2 espérance de x, facteur de p1x1. Plus p2x2, plus, etc., pnxn. Et sur le dernier bloc, espérance de x au carré, facteur de p1, plus p2, plus p3, etc., plus pn. Et on observe que p1 plus p2 plus pn, en fait, ça vaut 1. La somme des probas vaut 1. Et sur le terme central, p1x1 plus p2x2, etc., plus pnxn, c'est exactement la définition de l'espérance de x. Donc on se retrouve finalement avec le premier terme inchangé, p1x1 au carré, plus etc., plus pnxn au carré, mais c'est très bien vu qu'on le veut dans la solution finale. Moins 2 espérance de x multiplié par espérance de x, c'est-à-dire espérance de x au carré, plus, dernier terme, espérance de x au carré. Et les deux derniers termes font moins 2 plus 1, moins 1. D'où la formule de Koenig-Huygens qu'on aime bien utiliser de manière pratique, puisqu'en fait, l'espérance n'apparaît qu'une seule fois. Voilà pour cette démonstration importante et intéressante, puisqu'elle comporte plein d'éléments clés. À bientôt!